Eh bien salut à toutes et à tous, il est 16h, j'espère que vous allez tous très bien. Ah, il est pas 16h. Salut la même compagnie, c'est Mkolo, j'espère que vous êtes tous très bien. Pour ma part, ça va nickel comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo découverte d'une map Minecraft créée par un abonné. Je suis très 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 content. Alors, je suis encore avec mon skin de Squid Game, je suis désolé, il faut absolument que je le change. Veuillez me pardonner. Les amis, la map a été créée par Commande Fenêtre. Très original comme pseudo. Anciennement Jacques Russel pour ceux qui s'en rappellent, ou encore Crafter du 75. Voilà, c'est la même personne. Et souvenez-vous, à l'époque, il y a quelques années, où j'avais encore une voix même très aiguë, j'avais déjà fait ces maps qui étaient juste incroyables. Et donc ça fait vraiment vraiment plaisir. Et là il en a fait une autre en 1.12.2 qui s'appelle Minescape. Et en fait il y a 7 niveaux, il faut remporter les 7 clés et la map est terminée tout simplement. Il n'y a pas besoin de plus de scénarios pour que la map soit bien. Donc on va la tester ensemble. N'oubliez pas le pouce bleu et j'espère que la vidéo va vous faire kiffer. Nous sommes ici. Alors oui, un truc c'est que vraiment hein, on est en 1.12.2. C'est trop bizarre. J'ai des sensations bizarres. Je sais pas, les mouvements sont pas les mêmes. Ah bah oui, le sneak il est instantané. Enfin, c'est une catastrophe. Donc faudra juste pas trop m'en vouloir. Alors, on a des trucs à lire. Wesh wesh salamèche, bienvenue sur la map Minescape. Le but est très simple, récupérer les 7 clés dorées te permettant d'ouvrir les 7 portes à travers les 7 niveaux accessibles par les blocs bleus. Les niveaux que tu as terminés sont représentés par des blocs verts et ceux qui ne sont pas encore accessibles par des blocs rouges. Il y a 5 règles à respecter, ne pas casser, ne pas poser de blocs. Ne pas dropper des items, sinon tu pourrais te retrouver bloqué, d'accord. Ne pas dupliquer les items, ne pas cheater, ne pas accéder au menu F3 durant le dernier niveau. Ok, bonne chance, amuse-toi bien. On va essayer et on va commencer de ce pas. Très sympa comme... On dirait que c'est toutes les épreuves. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Ah, je sais pas, je pense que c'est les portes à ouvrir. Eh ben écoutez, on va descendre. On va regarder ce qui se passe ici. Ah, ce sont donc les... Ah non, ça c'est les portes à ouvrir. D'accord, mais pourquoi la sensibilité de ma souris elle est bizarre? Je vous jure hein. Ah, attendez. Ah oui, c'est pas la même en 1.12.2, c'est trop bizarre. C'est vraiment très bizarre. Ok, bah c'est parti, j'ai pas tout compris comment j'ai fait, mais nous sommes au niveau 1. Que faut-il faire? Alors là, il y a une flèche, Très bien. C'est un labyrinthe. Totalement. Est-ce qu'il faudrait pas, par simple hasard, déjà tourner? Non, attendez, il me donne une indication là. Rose, bleu, vert. On est bien d'accord? Rose, bleu, vert. On va juste retenir ça. Voyons voir à gauche. Ok, j'ai appuyé sur un bouton. Alors, il faut pas casser les blocs, hein. Rappelons-le, ça ne sert à rien d'essayer. Est-ce que ça a changé quelque chose ici? Il y a une bibliothèque derrière. Un bloc de diamant, là. Ok, ça n'a rien changé. Attendez, on va continuer, on va bien voir. Oui. C'est quoi ce délire? Ok, c'est assez bizarre. Oh, attendez. Qu'est-ce que je dois faire? Ok, bon, sans aucun doute, il faut que je tourne les flèches. Alors ça, c'est d'une évidence. Attendez. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Il doit y avoir une indication, non? Là, c'est noir et il y a plein de minerais, il y a du bois. D'accord? C'est noir, il y a plein de minerais, il y a du bois. Là, c'est que des plantations. Et là-bas, c'est que des mobs. Et en quoi c'est censé m'aider? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ouais. Bon, écoutez, je vais mettre du noir. Là, il y a du vert, c'est déjà bon. Et là, les minerais, bah ouais. Alors là, hé, les gars, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que je dois faire. Je suis lâché dans la nature. J'ai absolument aucune indication. Attends, rouge, jaune? Ah non, mais tout est rouge et jaune ici, là. Ok.
Attendez, c'est bon, j'ai compris un truc. Déjà, j'ai compris un truc. C'est à chaque fois, il y a un truc genre... Le bouton, il est placé en face du vert diamant. Attendez, c'est bon, j'ai compris ce qu'il faut faire. Attendez. Là. Pour moi, ce que je viens de faire, c'est juste. D'accord ? Vous inquiétez pas, vous allez très vite comprendre. Vous allez très vite comprendre si j'ai compris, bien sûr. Peut-être avez-vous même compris. Là. Blanc, il y a du poulpe. Il y a du poulpe. Mais... Ça, à mon avis, c'est pas normal. Creeper, mouton... Vide. Creeper, mouton, vide. Regardez bien. Creeper, mouton, et là, c'est vide. Donc, il faut mettre... Là. Et enfin... Je sais pas, hein, je... Si c'est ça, hein, je suis un boss, hein. Alors là, l'intrus, c'est... Je dirais que c'est ça. Entre le diamant et le fer. Entre le diamant et le fer, ok. Donc... Bah non, ça n'a absolument aucun sens. Ça, ce serait le diamant. Le rouge... Il y a du vert autour du rouge, là? Attends. Non. Ça n'a absolument aucun sens. Ce que je suis en train de faire n'a absolument aucun sens. Bon, eh ben on va essayer de céder. On va essayer de céder avec un petit indice. Parce que la map est tellement dure, les gars, dites-vous, que le créateur a fait un bloc-notes avec les indices. Alors, on dira les points positifs et les points négatifs plus tard. Mais à partir du moment où t'as besoin d'un fichier texte avec des indices, c'est que c'est pas très clair en vrai. Et on va trouver. Niveau 1. Dans la salle où tu apparais se trouvent 3 roues. Chacune de ces roues est assignée à un bloc. Vert, diamant et bibliothèque. Ah, d'accord. Mais je suis un cassos. D'accord, ok. Donc en gros, oh mais je suis con. Là il y a une bibliothèque. Et faut dire la bibliothèque elle est où. Mais là du coup il n'y a pas de bibliothèque. Donc c'est la bibliothèque qui est là. Et elle est entre le bleu et le... Ok, et le fer. Donc si je dis pas de bêtises... Mais même là, ça n'a aucun sens. Attends, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est du lapis, hein. Or, lapis, charbon. Ok? Est-ce que c'est correct? Or, lapis, charbon. Or, lapis, charbon, diamant, cible. Ok? Or, lapis, diamant, charbon, diamant, cible. Voilà, et de une. Oh putain, on va y arriver. Le diamant là. Ben, j'imagine que c'est du diamant. Mais il n'y a pas d'autre. What? Ah, ça doit être ça. Il est, donc ça fait rouge, cactus. Rouge, cactus, bois. Et après c'est bon. Rouge, cactus, bois. Rouge. Rouge, cactus, bois, ici. Voilà. Et j'ai entendu un piston, donc ça doit être bon. Ça, c'est... Ah bah, c'est bon. Putain, ça m'a ouvert un escalier. Ok, mais attends, juste pour savoir, ça, c'était... Le blanc, là. Ça doit être ça doit être la glace. Ça doit être la glace. Bon, ok. Allez, on va descendre. Putain, pas évident, mais très bien. On a la première clé. Qui nous ouvre cette porte. Et donc il faut continuer. Très bien, ok. Allez, bah ouais. On continue. C'est assez intéressant pour le moment. C'est vrai qu'on m'a un peu lâché. D'accord, donc les rouges, je ne peux pas encore. Mais là, le bleu, c'est le niveau 2. Ok. On va essayer de ne pas céder. Et de trouver évidemment la solution tout seul. Ok. Non. Ça va être un truc bizarre. Alors là, il y a un coffre avec une canne à pêche incassable. Très bien. Ça va peut-être me permettre de récupérer la clé. Heureusement que c'est incassable d'ailleurs. Par contre, comment j'ai fait pour passer? Et là, je ne peux plus.
Est-ce que vous croyez que c'est ça qu'il faut faire? Bon, l'avantage, comme dit, c'est qu'elle est incassable. Hein. Non, là, il n'y a rien à faire. Là, il y a peut-être un... un truc, non? Ça s'ouvre pas. Comment je fais? Ok. Super. Formidable. Ok. Ok, let's go. Bah c'est super. Bah on s'amuse de ouf là. Comment on peut faire? Ah, y'a rien d'autre hein. Mais la faites pas moi hein. Y'a rien, y'a pas d'autres trous, y'a pas d'autres murs. Tu vois là je me dis y'a peut-être une plaque de pression et si je fais... si je fais ça, non je sais pas. Comment j'ai fait en fait pour ouvrir ici là? C'est ce que je comprends pas. Bon, le bloc-notes. Dans le couloir central se trouve une grille. Pour ouvrir cette grille, vous aurez besoin de la clé se trouvant dans le coffre. Ah, donc c'était la canne à pêche. Pour la deuxième grille, le procédé est le même. La seconde clé est apparue dans le même coffre. Ah ouais, mais gros. Ah ouais, fallait le savoir ça. Hein. Ah ouais. Ah, c'est un peu... c'est un peu exagéré. Hein. C'est tiré par les cheveux quand même. Hein. Ok, à niveau 2, c'est bon. Félicitations, passons au niveau 3. Sur 7, bien sûr. Et là, on est en mode survie, attention. Ça ne rigole plus. Ok. J'imagine que... oh là là, c'est chiant. J'ai appuyé sur un bouton. J'ai appuyé sur le deuxième. Il y a des shulkers derrière. Il n'y a rien dedans. Il n'y a rien dedans. Ok. Bah ça a ouvert une porte derrière. Formidable. Je suis trop fort. Et... fiole d'eau. Que j'ai mis dans le truc. Bloc-notes. Ça a ouvert une nouvelle porte. Qui ne me sert à rien pour le moment. Il y a un coffre là-haut. Une houe. Ok. C'était pas fait pour ça. Il y a un truc à faire avec de l'eau, évidemment. Il faut... il faudrait que je puisse nager, hein, en fait. Il faudrait que je puisse nager pour pouvoir passer en dessous. C'est évident. Mais... mais comment faire? Comment faire? Ah, j'avais pas vu. Nouvelle porte, encore une fiole. On va y arriver. Hein. Y'a rien là-dedans. Y'a rien là-dedans. Y'a rien là-dedans. Pourquoi ça a écrit 1? 2. Et ça fait un trou. Ok. Une troisième fiole. What the fuck. Et on arrive ici. Et on revient au point de départ. C'est génial. C'est... génial, je me concentre les amis, hein. J'ai jamais été aussi concentré les gars, je suis à fond dans le truc, mais ça ne m'aide mais absolument pas quoi. Il faut que je rouvre un coffre, c'est ça? Trop marrant. Ah? Non. Ah? Ah non. Attendez, j'ai dû rater quelque chose. Y'a pas un autre bloc là? Mais what? Qu'est-ce que je dois faire? Ok.
Bah avec l'eau, je peux pas mettre de l'eau par terre. Bon, on va regarder l'indice, hein, les gars. Ce niveau est un enchaînement de salles. Ouais. Il faut simplement ouvrir les coffres dans le bon ordre. Récupérer bien la fiole dans le tunnel, c'est bon. Une fois les trois fioles récupérées, versez-les dans le chaudron pour ouvrir un accès à la fin. Mais ouais, mais en fait... Ah, bon, c'est ça ce qui est bien avec les maps, c'est que... On peut dire après ce qu'on en pense, mais... C'est pas ça qu'il fallait faire, là ? Verser dans le chaudron pour ouvrir un accès à la fin du niveau dans la salle 3. Ok, bah attends, on y retourne. Qui est-ce que c'est ? Non, non, mais là, il n'y a aucun accès, là. Il n'y a aucun accès, là. Là, il n'y a pas d'accès, là, il n'y a pas d'accès. Ça m'a rien ouvert, c'est... Je me suis fait carotte. Un, deux, trois. Il est où ton accès ? Ah bah là. J'avais pas vu. Et la clé. What the fuck ? Mon dieu, mais c'est quoi ce truc ? Eh, la map, elle est ultra dure. Hein. La map, elle est ultra dure. Sans les astuces, j'aurais même pas fini la première épreuve de toute façon, donc c'est pas compliqué. Évidemment, heureusement que je regarde. Hein. C'est fait pour. Hein. Allez, niveau 4. Dites-moi si vous auriez deviné. Après, forcément, bah maintenant, vous avez vu. Mais en vrai, est-ce que vraiment vous auriez trouvé ou pas, quoi ? Là, il y a une fiole vide. Jusqu'ici, tout va bien. Là, je suis... Ah, ok, va falloir monter comme ça. Jusqu'ici, rien de bien très sorcier. Là, je ne peux pas passer. Là... On a des minecarts avec des coffres. Ender Pearl. Il veut me buter, hein. Je peux pas l'ouvrir. Ok, j'ai réussi à monter. J'ai eu un petit peu peur, je vais pas vous mentir. Je peux pas l'ouvrir, lui ? Je peux pas l'ouvrir, c'est un four. Lui non plus. Oh ! Du coup, j'ai fait pousser un minecart dans le vide. Formidable. Est-ce que je devais le faire ? Je ne sais pas. Là, il y avait l'Ender Pearl. Là, je monte, bien sûr. Là, il y a plein de minecarts. Formidable. Ok. Une verrue du Nether. Ok. Et là, il n'y a rien. Donc là... Bouton, si t'es pas doué, reset. Ah d'accord, il y a un bouton au cas où. Genre si j'ai fait tomber un minecart, par exemple. Parce que là, en fait, il me faut de l'eau. Il me faut de l'eau pour que je puisse faire mes potions, là. Au final. Qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie, encore ? Ah oui, il n'y a pas d'eau, là. À moins qu'il y a de l'eau sous la lave. J'ai pas l'impression. Tu mets ça, mais si tu mets ça sans eau, ça marche pas. Je vais péter un câble. Je vais péter un câble et quand je pète un câble, c'est pas cool, quoi. Oh là là, je peux pas. Ah, attendez, c'est bon. Regardez bien. Voilà, je suis un beau gosse. Crème de magma. Bah, ça m'a toujours pas donné l'eau. Et je suis bloqué. Mais comment ça ? Mais putain ! Et tu peux même pas reset en plus ! Je suis bloqué ! Bah ouais, j'aurais dû garder l'Ender Pearl. Bah oui, mais si tu le savais pas, et bah t'es bloqué, tu fais comment ? Y'a même pas de bouton de reset. Oh non, c'est pas vrai, putain, bah j'ai pas le choix. Hein. J'ai pas le choix, punaise. Ça sert à rien de mettre un bouton reset tout en haut. C'est là où il faut que c'est important qu'il faut mettre le reset. Attends, hop. Non, c'était pas en survival, c'était en aventure, excusez-moi. Bon. Bah c'est génial. On va vachement aller loin avec ça. En réalité. Oh c'est éclaté, je sais pas là. Enfin c'est moi qui suis éclaté là pour le coup. Hein, mais La fiole vide. La crème de magma, l'ender pearl, la nether wart. J'ai tout récupéré. Grâce à cette potion vous pourrez passer par le tunnel situé sous la lave. Mais non il me faut de l'eau. La fiole vide derrière l'alambic, la crème de magma, l'ender pearl dans le coffre. Qui permet de remplir la fiole d'eau. Grâce au use bug avec les barrières en bas. Attends, mais je connais pas moi les bugs de Minecraft, c'est quoi ça? L'Ender Pearl dans le minecart avec coffre situé juste au-dessus du premier minecart, donc c'est l'Ender Pearl que je viens de claquer. Elle permet de remplir la fiole d'eau
grâce au use bug avec les barrières en bas. Je connais pas, on va découvrir ça. On va monter, on va reset. Mais ça peut être plutôt sympa à découvrir. Alors là mon pote. Oh vas-y c'est bon. Et par contre là ça me pète les couilles en fait. Je vais être très honnête avec vous. Le bouton reset tout en haut, il n'a aucun intérêt en fait. Je suis désolé hein. T'as l'habitude hein. C'est à la troisième map que tu me fais. Donc je me permets. Ça a tout reset là ? Ah ouais. Ça a tout reset. Ça a tout reset. Donc je récupère la verrue. Je récupère l'enderpearl que je ne vais pas utiliser. Et tout ça fait un bug, mais je connais pas du tout. Oh. Et là, comment je fais pour récupérer la magma là ? Comment je fais pour aller dans le trou en bas ? Putain, mais c'est pas vrai. Déjà, comment je descends ? C'est terrible. Là. Comment je fais pour aller là ? Ah bah oui, de toute façon, j'avais cassé. Je sais pas comment j'aurais fait. Hein. Là. J'ai pas la fiole. Ah oui, elle est en bas dans le coffre, c'est bon. Allez, on est bon normalement, on a tout ce qu'il nous faut, d'accord ? Là. Ok. Bon, maintenant, il faut récupérer de l'eau en faisant un bug avec les barrières. Tu penses on peut... Ah, mais on peut même plus faire ça en 1.18 et tout, là, en 1.17. On peut plus faire ça en vrai, je crois. Et là, il y a de l'eau, là. Bah ouais, je reviens comment en fait ? Mais attends frérot, je reviens comment ? Non, c'est trop. Je peux même pas revenir en fait. Attends. Bon là, je suis très mauvais en parcours, mais même si je réussis le parcours, je peux pas passer la barrière. What ? Attends, il m'a écrit quelque chose. Mais il y a qu'une seule enderpearl, je ne peux pas ! Les gars, en admettant que je réussisse le parcours... Ah. Ok, j'aurais pas dû abandonner. Bon bah ma foi. Et sachant que je ne connais même pas le craft pour faire une potion de résistance au feu, j'ai bien l'air con. Mais c'est bon à savoir là, je vais l'apprendre de nouveau. Donc c'est ça, il faut de la netherwart et puis de la magma cream en fait. Crème de magma. Ah c'est compliqué, mais franchement, sans déconner, sans les indices tu peux rien faire et c'est bien dommage. Il faudrait, en fait, un conseil que je peux donner sincèrement. Et je sais, tu vas dire que c'est le but de la difficulté, tu vois. Il faudrait que les indices soient incorporés dans le jeu en lui-même, tu vois. Genre qu'il y ait des panneaux, qu'il y ait des messages, qu'il y ait quelque chose, un truc qui se passe, qui te fasse comprendre ce qu'il faut faire, parce que j'aurais jamais pu deviner tout ça. Enfin... Non. Genre ça, l'indication là, avec la lave qui coule ici, ça c'est, tu vois, ça c'est une indication in-game. Genre ça, on comprend que c'est là qu'il faut aller. J'avais tout de suite compris, mais voilà. Bon. Allez, on y va. Voilà. Le petit... chemin. N'hésite pas à mettre des pancartes hein, pour faire arrêter la lave. Hein. Par exemple. Hein. Ah ouais, non mais là c'est l'enfer là. Ok. Allez, un toujours plus. Et voilà. Congratulation. Ouais, on a réussi la quatrième. Plus que trois. Alors pourquoi je... Ah oui, il y en a que trois en effet. Très bien. Et je vais continuer de brûler combien de temps encore à peu près? Parce que c'est un petit peu chiant en fait pour les yeux. Voilà. Bon bah je sais pas. Allez, on enchaîne. Niveau 5, on verra pas grand chose mais on va faire avec. Qu'est-ce qu'on a là? Mais on peut pas tout reset là quand on a fini un niveau? Ah ouais non mais là c'est terrible. Hein. Bon bah... Non mais sérieux, je vais faire un... Ah merci. Oh c'est terrible, j'ai jamais vu ça. Bon là on a rien, c'est un find the button là c'est ça? C'est totalement un find the button. Ah ouais on peut pas nager là. En 1.12.2. Je peux même plus remonter. Je me suis mis dans la sauce. Ah mais j'ai apné. C'est bon j'ai apné. Bah vas-y on va aller tout au bout, c'est vachement fun hein. Et ça te rend compte maintenant dans les versions actuelles, ça va super vite quand tu nages. Là c'est un enfer hein. La descente ça va mais ça, c'est la remontée en fait, c'est un enfer. Attends mais ça nous mène jusqu'où là? Pourquoi je suis allé là moi déjà? Complètement con. Y'aura rien. Si. GG d'être arrivé ici. GL pour remonter. Non.
Bah écoute, et regarde. Hop. Merci pour ton GL, hein. Merci pour ton GL. Qu'avons-nous là? Ouais, donc c'est un find the button, j'imagine. Cette bibliothèque est différente des autres. Elle aussi. Et elle aussi. Et elles sont tous situées devant un bloc de bois. C'est très étrange. C'est très étrange. Putain, mais j'ai aucun confort dans l'eau. C'est de la merde, là, 1.12.2, vraiment, hein. Faut arrêter de faire des maps sur des vieilles versions. Qu'est-ce que c'est que ça? Absolument rien. On va encore voir un indice que tu jamais de la vie tu aurais pensé à ça. Ah, là, j'avais pas vu. Mais putain, mais c'est pas vrai, y a pas un bouton qui est caché à quelque part ou quoi? Y a absolument rien. Là. Je t'ai eu. Salaud, va. J'ai appuyé sur un bouton. J'ai appuyé sur un bouton. Donc peut-être un nouveau bouton s'est téléporté, genre là par exemple. Voilà. Deuxième bouton. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de perdre ma nyctalopie ou il se passe quoi là? Oui. Mais il se passe quoi là? Oh, j'ai jamais vécu... ouais. J'ai jamais eu ça, hein. J'ai appuyé sur deux boutons. Je pense qu'il en manque un. Mais c'est horrible là. Putain, pourquoi ça fait ça là? La crise d'épilepsie, je suis désolé, hein. Mais c'est trop bizarre. Il y a un bouton qui serait là, gros. Ah là. Ouais, non, mais frérot, c'est abusé, hein. En vrai, c'est abusé, hein, mon pote, hein. Et en plus, pourquoi ça clignote, là? C'est chiant. Donc là, maintenant, dans le coffre, on a... œuf. Boule de neige. Alors, il faut que je fasse ça? Non? Mais putain. Ah! Faut que je me mette sur le bloc de bois. Voilà, et là il en reste plus qu'une. Faut ensuite cliquer avec le livre correspondant. Mais j'ai appuyé sur les trois boutons, pourquoi il n'y a pas le troisième livre? Non mais c'est trop. J'ai appuyé, putain. J'ai appuyé sur les trois boutons. Lui c'est le premier que j'avais trouvé. Fais pas genre maintenant. Ouais, non mais gros, c'est abusé là. Et là j'appuie sur le troisième, qui est là. Ok, c'est bugué. Bah là c'est 100% bugué, hein. Oh, c'est trop, putain. Oh ouais, non mais gros, bah voilà. Mais je sais pas, maintenant je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Comment faire, je suis bloqué. Oh, j'ai le seum. Oh, j'ai le seum de ouf. Mais c'est quoi ça? Non mais en plus, vas-y, la crise d'épilepsie, c'est trop. Là j'ai appuyé sur tous les boutons, hein. Y en a pas d'autres, hein. Y en a pas d'autres, j'ai les astuces devant moi là. Bon bah malheureusement on pourra pas faire les deux derniers niveaux, les gars, hein. C'est pas de la mauvaise foi, mais à un moment donné je peux pas refaire ça 32 fois. En plus j'ai pété le machin là. Oh ouais, non mais c'est trop. Ah ouais, c'est trop. Bon les gars, attends, voyons voir la map de l'extérieur. Ah, c'est bien dommage, hein. C'est bien dommage. Alors c'est pas contre toi personnellement, évidemment, le créateur de la map, y'a aucun problème, hein. Et vraiment, si vous regardez mes anciennes vidéos où la map a été créée par justement Crafter du 75 ou Jacques Russel, parce que c'est la même personne, c'était juste incroyable ces maps. Mais là par contre c'est full bugué et full relou surtout. Mais vraiment, très sincèrement, je trouve ça relou parce que c'est trop compliqué. Et encore une fois, le fait qu'il y ait besoin d'un bloc-notes pour avoir les même pas les réponses mais les indications. Les indications, c'est censé être sur le jeu. Bref, et en plus de ça, bah, là, ça ne fonctionne pas. Pourtant, j'ai bien fait, du coup, puisque j'ai suivi à la lettre ce qui était écrit. Donc là, je comprends pas. Mais sinon, les petits systèmes étaient bien trouvés, hein, faut le dire. Mais tu peux pas trouver ça de toi-même comme ça. C'est juste pas possible. Donc voilà, c'est un petit peu le côté dommage. On n'a pas pu terminer la map non plus. Pas mal de commandes blocs ici. Pas trop, mais suffisamment pour faire tourner la map. Et puis, je sais pas, les bugs, là, pourquoi ça clignotait comme ça? C'était bizarre aussi, ça. Donc voilà, malheureusement on n'arrivera pas sur la fin de la map, mais c'était plutôt sympa. Si jamais tu veux partager ta map, n'hésite pas, tu peux mettre en commentaire, comme ça les abonnés, si vous voulez l'essayer, vous pourrez peut-être aller plus loin que moi.
Et puis voilà. En tout cas, j'espère quand même que vous aurez kiffé cette vidéo. Et j'ai pas envie, voilà, de partager du négatif ou quoi, pardon. Je vais quand même partager cette vidéo parce que c'était plutôt sympa pour cette petite demi-heure. On a quand même, voilà, fait les niveaux, on les a réussi jusqu'ici. Et voilà, c'était plutôt sympa. Et puis ça permettait quand même d'essayer de faire cette map envoyée par un abonné. Si vous voulez que j'essaye votre map, mcolo.fr, dans l'onglet contact. Et voilà, tout simplement. Bah voilà qui est fait. J'espère quand même vraiment que vous aurez apprécié tout de même cette petite vidéo un peu bonus. Et si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu, bien évidemment. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. C'était Mcolo, je vous fais plein de bisous. J'ai un petit peu mal au crâne avec tous les flashs qu'il y a eu, je vais pas vous mentir. J'espère que vous, ça va de votre côté. Ciao tout le monde!